Le personnel et l'administration du CHU espéraient avec impatience recevoir cet appel du ministre de la Santé. J'annonce aujourd'hui que le projet de Centre Femmes, Jeunesse, Famille est inscrit au plan québécois d'immobilisation. Le Centre Femmes, Jeunesse, Famille a fait l'objet de plusieurs annonces au fil des ans, mais cette fois-ci, le ministre Hébert promet que c'est la bonne. C'est un projet qui a été annoncé à de nombreuses reprises par le gouvernement libéral, mais jamais il a été inscrit au plan québécois d'immobilisation. Ce que j'annonce aujourd'hui, c'est vraiment que le projet est sur les rails et qu'on travaille sur les plans au cours de la prochaine année et ensuite on travaillera à sa réalisation, mais l'argent est déjà là. On a 100 millions de réservés au plan québécois d'immobilisation. C'est à cet emplacement-ci, derrière moi, que se fera l'agrandissement de l'hôpital, un édifice de 6 étages qui permettra évidemment d'héberger le Centre Femmes, Jeunesse, Famille, mais aussi d'augmenter la capacité de l'urgence, un projet dont le budget total est d'un peu plus de 120 millions de dollars. Le volet de l'urgence, oui, c'est un volet important parce qu'on a des conditions très difficiles pour nos clientèles actuellement à l'urgence de Fleurimont et on veut faire en sorte que l'urgence de Fleurimont soit aussi adéquate que celle de l'Hôtel-Dieu. Le projet, on le rappelle, a été revu à la baisse cependant par rapport à ce qui était prévu initialement. Mais on va construire un bâtiment de 23 000 m² au lieu de 32 000 m², un peu moins gros, mais c'est quand même un bâtiment qui est plus grand que celui qu'on a fait à l'Hôtel-Dieu. Alors, je pense que ce qui a été mentionné tantôt va vraiment répondre aux besoins. Le pédiatre Claude Lemoine a été un des instigateurs du projet au tout début, en 2002. Il attendait ce jour depuis très longtemps. Ça va donner des soins beaucoup, beaucoup plus humains. C'est d'avoir des chambres, tant pour les mères que pour les enfants, que pour les familles, des chambres qu'on dit uniques. Évidemment, le personnel médical est aussi ravi de cette annonce. On n'aura plus rien à envier à Sainte-Justine parce que là, en ce moment, on a simplement qu'un petit étage. On travaille dans des conditions un petit peu... on a des problèmes de promiscuité. Et puis, dans le nouveau bâtiment, on va avoir nos espaces. On va pouvoir faire de l'enseignement. On va pouvoir travailler comme du monde. Le ministre Hébert prédit que la première pelletée de terre pourrait se faire en 2015 en vue de compléter les travaux pour 2017. William Levasseur pour Estrée Plus à Sherbrooke.